Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, émission spéciale NFP, donc le rapport sur l'emploi aux États-Unis, rapport officiel, après avoir pris connaissance mercredi dernier des chiffres proposés donc par la société ADP concernant le secteur privé. Alors ces chiffres sont attendus à 14h30. Il s'agit de l'avant-dernière statistique américaine d'importance de la semaine, puisque nous attendons à 16h l'ISM non manufacturier aux États-Unis, dernière statistique qui va créer donc du mouvement sur le marché des changes et donc sur le marché des indices. Nous avons une dizaine de minutes pour préparer justement l'impact de cette statistique et envisager la suite des événements après donc hier ce décrochage inespéré d'une certaine façon des marchés actions européens. En tout cas, il s'agissait de notre scénario. Nous l'avions assez largement anticipé, notamment sur le CAC 40, en répétant que nous n'étions pas acheteurs du support à 4340 points qui a donc hier cédé suite à la conférence de presse de Mario Draghi. Mais ne parlons pas du passé, puisqu'il s'agit des événements concernant la séance d'hier. À 14h30, nous attendons quoi? Le rapport sur l'emploi aux États-Unis, qui se compose d'un certain nombre de chiffres. Hein, c'est un rapport assez riche d'informations. Vous pouvez d'ailleurs en trouver le détail sur le site en question donc du département du travail aux États-Unis. Mais concrètement, quelles sont les choses qui comptent? Déjà, le solde net des créations d'emplois, le taux de chômage, un certain nombre d'informations qui concernent le temps de travail et puis bien sûr aussi le taux de participation. En tout cas, le marché se concentre essentiellement sur deux chiffres qui sont le solde net des créations d'emplois. Alors au mois d'août, l'économie américaine avait créé 142 000 emplois nets. Eh bien, le consensus attend pour le mois de septembre 215 000 unités, façon de parler, 215 000 création d'emploi. Quant au taux de chômage, le marché l'attend stable à 6,1% de la population active. Le taux d'activité, lui, eh bien, est dernièrement, au mois d'août, à 62,8%. Alors, hier, nous avons eu sur le marché beaucoup de mouvements sur les indices boursiers. Clairement, par contre, le FX est resté globalement stable. Enfin, stable. En tout cas, il n'y a pas eu de fort décalage. Je pense qu'aujourd'hui, cela pourrait changer, au contraire, et que nous ayons davantage d'impact sur le marché d'échange. Alors, il est 14h19, on a le temps de préparer un certain nombre de choses. Je vais vous montrer quelques graphiques qui sortent du cadre intraday des marchés. Et ensuite, nous étudierons le graphique en données 4 heures du CAC 40, le graphique en données 4 heures de l'euro-dollar, en données 4 heures de l'USD-Yen et en données 4 heures de l'once d'or. Quatre actifs sur lesquels nous allons nous concentrer dans un premier temps avant d'envisager d'autres marchés suite à la publication de ce chiffre. Alors, tout d'abord, revenons sur ce qui se passe sur les marchés financiers depuis le début de l'été, vous le savez. Alors, je retiendrai deux choses au fond à retenir. Je me répète, hein, c'est la fatigue. Alors, la hausse du dollar, clairement, on le sait, depuis le 1er juillet, ça c'est ce qui a créé, je pense, beaucoup, c'est ce qui a en tout cas créé tous les mouvements sur le marché des changes et l'essentiel des mouvements sur le compartiment des matières premières, mais sachant que c'est probablement beaucoup plus complexe concernant le compartiment des matières premières. D'ailleurs, vous avez sur le site un point de ce matin sur l'or, l'argent et aussi les cours du platine qui sont actuellement aussi impactés par le secteur automobile. Sous vos yeux, la volatilité implicite d'un certain nombre de marchés. Ce graphique a pour point de départ le 1er juillet et vous constatez que tout marché confondu, puisque vous avez ici la volatilité implicite de l'euro, celle du S&P 500, celle du Dow Jones, celle de l'or ou encore celle du Russell 2000, eh bien on constate des augmentations comprises entre 30 et 50% depuis le 1er juillet. Et d'ailleurs, ces hausses de volatilité implicite se faisaient dans le cadre de marchés actions américains complètement flat, et donc cela annonçait en partie eh bien, ce que nous avons connu cette semaine. Sauf que les marchés actions américains, ce n'est pas les marchés actions européens, et les indices S&P 500 et Dow Jones ont réalisé hier des chandeliers japonais plutôt favorables. En tout cas, la clôture était intéressante puisque le marché a clôturé plus ou moins flat. Il a commencé à se reprendre à partir de 17h30, 18h, session européenne, ce qui ne permet pas réellement, là aujourd'hui au CAC 40, de s'envoler. Alors, on verra bien cet après-midi. Il s'agissait donc du premier graphique que je souhaitais vous montrer. Le second, il s'agit de la façon dont se distribue le volume d'échanges réel sur le CAC 40 depuis le début du mois d'août. Le volume, vous le savez, c'est une des bases de l'analyse technique, est en avance sur les prix. Le volume est précurseur des prix
et le volume donnait un message sans appel depuis le 8 août, puisqu'entre le 8 août et le 4 septembre, nous avons eu une phase haussière avec pas moins de 3 gaps haussiers pour le CAC 40, dans un volume qui diminuait. Donc forcément, c'est mauvais signe d'avoir une phase ascendante dans un volume qui ne représentait vraiment pas grand-chose, et nous étions au-delà du 15 août, donc il y avait quand même du monde hein, dans les salles de marché. Par contre, vous constatez qu'à chaque fois que le volume d'échange s'est approché des 5 milliards d'euros échangés quotidiennement sur le CAC 40, cela correspondait à deux jours particuliers. D'une part, cette séance du 19 septembre, l'étoile filante, en tout cas lorsqu'on regarde notre CFD France 40, et encore la séance d'hier. Donc deux séances fortement baissières avec un volume plus du double supérieur au volume moyen d'échange depuis le début du mois d'août. Donc voilà, petit aparté pour vous rappeler que les données de volume qu'on vous propose hein, sur 14 paires de devises majeures sont en avance sur le comportement des prix sur le marché. D'ailleurs, petit aparté, si vous avez chargé cet indicateur de volume réel, vous avez forcément noté que depuis le début de la semaine, le volume est significatif sur la paire euro-dollar, un volume énorme, alors que cette paire de devises s'échange dans des bornes extrêmement étroites, de 50 à 60 pips depuis le début de la semaine. En clair, il se prépare quelque chose sur la paire euro-dollar au regard donc du volume énorme en place depuis le début de la semaine. Maintenant, il nous reste 7 minutes pour regarder des graphiques intraday. Tout d'abord, je vais vous proposer celui-ci, qui est celui du CAC 40, dont nous nous sommes servis hier, notamment, pour envisager eh bien, la cassure du support à 4350 points. Donc, c'est ce qui s'est produit. Refaisons un peu l'histoire du CAC 40 depuis le début du mois de septembre. Tout a commencé par un double top à 4500 points, et d'une certaine façon, c'était le point de vente parfait, sachant qu'il l'est plus ou moins depuis, au fond, un an, ces fameux 4500 points. Donc, double top sous 4500 points, rupture d'une ligne de tendance haussière ici en place depuis le 8 août. En réalité, je dirais que le vrai signal de vente, il a été donné certes le 19 septembre, mais il a été confirmé le 23 septembre. L'analyse chartiste permettait ensuite d'identifier une configuration en drapeau. Les courants sont sortis hier par le bas. Et aujourd'hui, avant ces chiffres du rapport sur l'emploi, j'observe que d'ores et déjà, les 4277 points font office de résistance pour l'indice CAC 40. C'est la première résistance, c'est le point de vente, j'imagine, agressif, en dessous duquel peut-être que des retardataires se sont présentés. En tout cas, si vous tenez des positions short depuis les 4500 points, si vous avez renforcé au multiple test des 4430 points, bien conservez vos stops en attendant, mais ne renforcez pas sous ce niveau-là. Hein. Vous êtes en effet beaucoup mieux positionné. Donc voilà, maintenant, que peut-il se passer eh bien, lors des prochaines heures? Encore une fois, pas de boule de cristal, personne ne le sait. Cependant, eh bien, on peut imaginer que ces 4277 sont un premier obstacle au cours, mais que dans tous les cas, un éventuel rebond permettrait d'aller chercher cette zone qui serait au fond une zone de short pour des vrais retardataires, 4340. En tout cas, tant que le marché se maintient sous ce niveau, eh bien, il est susceptible d'enfoncer ces points-là et de revenir chercher les bas ici du mois d'août. Voilà donc pour l'indice CAC 40. Alors maintenant, la paire euro-dollar, ça bouge déjà en amont et vous constatez qu'aujourd'hui, c'est la session FX, c'est la session du Forex. L'euro-dollar, lui, est tout simplement toujours enfermé dans ce canal baissier en données 4 heures. Ajoutez sur votre graphique en données 4 heures la moyenne mobile exponentielle à 40 périodes, 40 fois 4 heures. À peu de choses près, la moyenne mobile, on le sait, donc à 10 jours. Peu de choses près. Hein. En tout cas, elle s'en a pas. Vraiment, je pense que là, en intraday, elle capte bien l'évolution. Que dire Eh bien, toujours dans ce canal de baisse en place, le marché forme ici, depuis les 1,2570, une phase de stabilisation qu'on pouvait voir venir avec l'analyse technique, le point bas de ce canal. Sauf que voilà, la paire reste sous pression. 1,27, le marché est allé la chercher hier, elle reste sous résistance, la tendance reste baissière. On peut, il ne faut exclure finalement aucun scénario. Je pense que l'énorme support massif, c'est clairement les 1,25. D'ailleurs, si on continue d'utiliser ce canal de baisse, eh bien, un retour sur 1,25, 1,25,20, c'est à nouveau cette partie basse du canal. Compliqué, de toute façon, de prendre position avant la publication d'un tel chiffre, hein, puisque ce serait là, prendre une position maintenant serait clairement avoir une chance sur deux. Donc,
bah, ça n'a pas réellement de sens hein, sur le plan de l'analyse technique, qui n'est qu'histoire que de probabilité et qui exclut le 50-50. L'analyse technique met en avant tout sauf le 50-50. Donc, en tout cas, voilà dans quoi nous sommes. Je pense que cette journée est importante parce que c'est vendredi, c'est la clôture hebdomadaire. Et donc, ce qui va se passer ce soir, en clair, si le marché, par exemple, clôturait en forte hausse et reprenait les 1,27,50, cela annonce, vous le savez, 1,30-1,31 pour la semaine prochaine, les deux prochaines semaines. Par contre, eh bien, tant qu'on se maintient sous ce canal, tant qu'on se maintient sous les 1,27,50, qui sont à la fois une résistance daily et en même temps la partie haute du canal, eh bien, c'est la tendance baissière tout simplement qui peut encore se développer. En direction de quoi les fameux 1,25. Alors pourquoi je parle beaucoup des 1,25$? Parce que je vous l'ai montré cette semaine, c'est par deux fois depuis l'année 2008 que Eurodollar avait à l'époque construit des bases d'inversion entre 1,20 et 1,25, des tête-épaule inversées. Mais voilà, il faut d'abord rentrer dans cette zone pour l'envisager. En tout cas, nous allons scruter avec attention ce canal et ensuite, suite à la publication de chiffres, s'il s'agit de se positionner de manière agressive, en tout cas en profitant de la vol réalisée suite à la publication du NFP, nous avons pour les acheteurs le bas de ce canal et probablement l'excès, donc à la baisse, entre 1,25,30 et 1,25,50. Et puis, pour les vendeurs, eh bien, clairement, vous avez un certain nombre d'arguments pour vous, des moyennes mobiles qui couvrent les cours, des résistances, des canaux. Bref, il y a finalement tous les arguments pour les deux sens de marché. Autre graphique, je pense, aujourd'hui qui peut être impacté par le marché, j'ai observé hier une léthargie totale des métaux précieux. Les journées de BCE sont finalement rarement des journées de métaux précieux, par contre, les jours de NFP le sont. D'autant plus que l'once d'or, alors il ne faut pas en tirer des conclusions trop hâtives, mais l'once d'or évolue dans une compression. Compression, alors, une espèce de biseau descendant, comme ça au-dessus des 1200$. Bon, en tout cas, le marché tente de former un support à 1200$. Ce qui est sûr, c'est que s'il casse 1200, il coule à 1180. Par contre, une résolution haussière de ce biseau descendant serait probablement un argument en faveur, en tout cas je pense que cela confirmerait peut-être une clôture du Dow Jones FXM Dollar Index sous les 11 000 points, ce qui n'est pour l'instant pas acquis. Donc le chiffre va tomber, voilà ce que nous allons faire. Nous mettons le CAC 40, ici même, donc avec ce triptyque, le CAC 40, nous mettons l'Eurodoll ici en 4 heures, et enfin l'USD Yen, donc qui effectue un rebond technique après avoir atteint l'objectif théorique du biseau ascendant à 108,25. Les chiffres vont tomber, on en prend tous connaissance et on envisage la suite des événements. Donc le consensus, je vous rappelle, je vous l'ai posté dans le chat, 215 000. Pour les créations d'emplois, 6,1, et ça doit être un bon rapport puisque l'euro-dollar casse, sort par le bas donc de ce petit drapeau au sein du canal de baisse, l'USD-Yen eh bien, repart en forte hausse et les marchés actions ne réagissent pas, c'est donc bien une journée FX. Alors c'est parti, je mets l'euro-dollar en plein écran, le voici, donc clairement là ça reste hyper baissier hein, puisque nous sortons par le bas de ce petit drapeau en plein cœur de ce canal de baisse. Les cours restent écrasés par des résistances, des moyennes mobiles, donc une sacrée vol. Quand même, oh là, 248 000 créations d'emplois, 5,9% pour le taux de chômage. Décidément, l'économie américaine est en plein emploi. Alors, je ne sais pas ce que c'est le taux de chômage qui serait synonyme de plein emploi, mais en tout cas, voilà, 5,9% de la population active et donc 250 000 créations d'emplois. C'est un sacré bon rapport sur l'emploi, si vous me permettez l'expression. Je vais quand même jeter un œil au taux d'activité. Taux d'activité, alors les chiffres ne sont pas encore sortis, mais je pense qu'on pourra en prendre connaissance. 62, donc diminution à nouveau du taux d'activité qui perd 0,1, probablement expliquant encore une partie de la baisse du taux de chômage aux États-Unis. Baisse du taux d'activité, baisse du taux de chômage. Et donc, le mois précédent, les créations d'emplois ont été révisées en hausse de 140 000 à 180 000. Au mois de septembre, l'économie US crée 250 000, le taux de chômage à 5,9% de la population active, avec encore des personnes qui ont donc disparu des chercheurs d'emploi. Donc, c'est favorable au dollar US, et forcément, cela entretient la dynamique négative de la paire euro-dollar, qui reste donc enfermée dans son canal de baisse.
La clôture hebdomadaire favorable, à l'instant où je vous parle, elle n'est pas encore acquise, même loin de là. Alors, voilà l'euro dollar qui retombe. Attention, attention, là, je vais vraiment avoir une approche hyper spéculative. Si vous êtes partisan du trend following, restez à l'écart. Je constate simplement que nous nous approchons de la partie basse de ce canal de baisse. Voilà. Vous êtes plutôt de nature à pratiquer du trading intraday, du scalping, et finalement à vous mettre en face de tendances de fond. Vous avez, je pense, entre 1,25 et 1,25 $30. Eh bien, la partie basse de ce canal de baisse. Par contre, là où il faut être méfiant, c'est que ça fait un sacré bail, si vous me permettez l'expression, que l'euro-dollar n'est pas allé chercher la partie haute. Donc, faut pas exclure le scénario aussi d'une sortie par le bas d'un canal qui est déjà hyper pentu. Bon, arrivera un moment où le mouvement ne peut pas être vertical. En tout cas, si je comprime l'historique des prix, constatez qu'en 2012, voilà en fait de quoi nous approchons 1,25, 1,24, 50. C'est finalement tout ce que l'eurodoll avait pris dans cet intervalle à l'époque, avait construit une sérieuse base de retournement. Mais bon, là, c'est le couteau qui tombe. Donc, nous avons un objectif qui est à 1,20, qui est plutôt, je dirais, pour soit la fin d'année, soit le premier trimestre 2015. Mais admettons qu'à ce rythme, le marché pourrait y aller plus rapidement. En tout cas, suiveur de tendance, le mouvement reste baissier. Spéculateur, acheteur agressif, partisan de l'analyse chartiste intraday, vous avez entre 1,25 et 1,25,30 à la fois ce niveau horizontal et la partie basse du canal. Ici donc sur la paire euro-dollar, partie basse de ce canal. Alors, les indices boursiers, comme anticipé, ce n'est pas leur séance, c'était hier, à l'image hier du FX qui était exclu des mouvements de marché. Eh bien aujourd'hui, c'est au tour des indices d'être exclus. Alors, on attend probablement l'ouverture à Wall Street qui aura lieu tout à l'heure. Donc, les chiffres sont d'une étonnante puissance. J'imagine que, et voilà, l'once d'or casse donc les 1 200 $. Alors, le mot d'ordre était en effet hâ, de ne pas tirer de conclusions trop hâtives de cette figure de compression qui est donc inexistante. L'once d'or est en train de casser un support à 1 200 $ et donc en réalité cela eh bien appelle quoi les plus bas annuels, sachant que d'une certaine façon l'argent était en fait précurseur et donc les plus bas annuels passent à 1 180 donc en l'état actuel des choses sur la base de ce chandelier 4 heures qui n'est pas clôturé, eh bien nous avons une cassure de support en cours sur l'once d'or. Cassure de support en cours sur l'once d'or, cassure des 1 204 $. Alors, on va regarder l'ensemble des autres marchés, hein, notamment des paires majeures. Nous avons un USD index qui. Alors, nous avons un canal de baisse sur l'euro dollar, nous avons un canal haussier sur l'USD index. Eh bien, voilà. Donc, suiveur de tendance, on est OK, mais par contre, l'USD index est pareil, il se retrouve dans la partie haute de son canal de hausse. Donc, alors, vous avez des éléments, mais en tout cas, graphiquement, je trouve qu'on a un ensemble qui est globalement propre. Canal haussier H4 sur l'USD index, le marché tape à peu de choses près le haut de canal. Quant à l'eurodoll, eh bien, on travaille, je pense, une zone importante ici, sur le plan de l'analyse technique, entre donc c'est 1,25 et c'est 1,25 22, bas de canal. Le marché, en fait, en faisant un plus bas à 1,25, 27, vient de réaliser une touchette sur la partie basse de ce canal. Bon, il reprend dans la foulée 25 pips. Voilà où là des traders scalpers pouvaient se présenter, c'est-à-dire qu'il y avait 25 pips de rebond dans le cadre d'un trade de quelques minutes. Par contre, nous sommes encore dans le cadre de cette tendance de fond. Alors là, on est face à un chandelier 4 heures. On verra bien la clôture ce soir. Mais en tout cas, de toute façon, face à avec un tel rapport sur l'emploi, que voulez-vous d'autre, mis à part la poursuite de la force du dollar US. L'USD Yen, nous avions mis en avant la résistance à 110, un biseau descendant, un biseau ascendant. Les cours ont fait l'objectif de cours hier, en revenant chercher 108,25. Et nous avons un USD Yen qui tient cette ligne de tendance haussière. Ici, donc, il s'agit de la principale ligne de tendance. Je pense que celle-ci correspond à celle que nous avons sur l'USD index et la trendline de baisse que nous avons sur l'eurodoll. Et donc voilà que ce marché repart tout en haut. Alors,
Faut-il envisager de réintervenir au contact des 110 yens si l'USD Yen retourne les chercher? Moi je dis pourquoi pas, sauf que là nous sommes à 109,44. La UDUSD était parmi toutes les paires en dollars, celle qui avait déjà proposé depuis le début de la semaine un rebond technique, qui n'est pas intervenu depuis n'importe où, puisqu'on a commencé à arrondir depuis 0,8660, tout simplement le plus bas annuel. Et bien même cet AUD/USD, c'est ce que vous allez constater en données journalières, échoue au contact de sa première résistance à 0,8826, entretenant donc la folle tendance haussière du dollar US. Cependant, je vois que les tendances sont quand même encore en place. Mais bon, est-ce que ça donne vraiment le point de départ d'une semaine qui serait hyper haussière la semaine prochaine pour le dollar US? Je sais pas, on verra. En tout cas, c'est tout ce que pour l'instant je peux constater avec vous. Alors, avant de regarder d'autres marchés et peut-être d'autres paires majeures sur des graphiques en données journalières, si vous avez des questions sur l'euro-dollar ou ces marchés-là, n'hésitez pas. Je remets ici le graphique et je commence déjà à jeter un œil à vos commentaires ou questions ou graphiques que vous auriez pu proposer. Alors, Silvertrade nous rappelle le rôle des 1,2750 en tant que résistance majeure. Donc en effet, elle était, je vais pouvoir la mettre ici en caractère gras. C'est le niveau en fait qui peut éventuellement changer la donne. Tant qu'on est en dessous, non. Donc vous êtes très nombreux à m'avoir posté les chiffres. Alors, première question, GBP/NZD, GBP/Yen. Et 11 100, Lorenzo, félicitations à vous. C'était votre objectif sur l'USD Index et le NZD/USD. Donc, il y a un certain nombre de paires de devises. Alors, avant tout, bon, faut comprendre de toute façon qu'on est vendredi et tout, mais voilà. Moi, je suis face à ce chart de l'euro-dollar. Bon. Est-ce que vraiment l'euro-dollar peut sortir par le bas de ce canal? Avant la publication du rapport NFP, je vous aurais répondu oui si nous avons un rapport NFP hyper favorable. Nous avons un rapport NFP hyper favorable. Pour autant, l'eurodoll tient encore le bas de ce canal. Et sur cet horizon de temps, dans un bas de canal baissier, ce qui est exclu, c'est de shorter. Ça, c'est certain, on ne peut pas shorter dans un bas de canal. Donc, il y a deux possibilités, ne rien faire ou acheter. Voilà, ça c'est une correspondance finalement qui moi m'interpelle. Voilà, ce canal sur l'USD en H4, la même chose ici sur l'eurodoll. Allez, c'est parti, je réponds à vos questions sur les actifs dont vous avez parlé. Donc, le NZD/USD, le GBP/NZD, le GBP/Yen. Alors, déjà c'est intéressant de constater que vos trades sont répartis sur de nombreuses paires de devises. Quand on ne parle plus uniquement de l'euro-dollar. Alors, c'est parti. Le GBP/NZD. Alors, le GBP/NZD, je pense que mon mot d'ordre d'hier n'a pas changé. À court terme, restez à l'écart de la livre sterling. Et donc cela s'applique à court terme, malheureusement, aussi au GBP/NZD qui a atteint notre objectif de cours à 2,10. Déjà, l'analyse technique propre au GBP/NZD ne m'invite pas à chercher un achat au niveau actuel des cours. Je pense au contraire que la paire va encore se replier. Je suis passé neutre à négatif à court terme sur la livre sterling. Je vous ai proposé sur le site ce matin une alerte de marché mettant en avant le Pound Sterling Index. Alors on peut le regarder en temps réel, mais m'invitons à penser que le court terme devient sacrément détestable dans le sens de la tendance de fond. C'est-à-dire qu'il ne la confirme plus, pire, il l'infirme. Donc, je ne cherche pas d'achat sur la livre sterling à court terme, et je ne cherche donc pas d'achat à court terme sur le GBP/NZD. Et donc, forcément, le GBP/Yen doit être dans une situation similaire. Nous avons un Yen Index qui, je vais vous montrer ces indices devises, il se prépare quelque chose sur le Yen japonais. Et ensuite, nous regardons l'ensemble des indices et nous repassons sur l'euro-dollar, c'est promis. Le yen japonais, il a tenu ses plus bas annuels, tout comme le pound index n'a pas franchi ses sommets annuels. Vous avez sous les yeux, en temps réel, les chandeliers japonais journaliers du yen index. Et vous ne pouvez qu'apprécier le marteau du 19 septembre.
Pourquoi ce marteau m'intéresse? Parce que rappelez-vous ce qu'avaient fait les marchés actions le 19 septembre, cette journée d'étoiles filantes sur le marché actions européen, qui m'invite à penser que nous avons en partie dans le yen un retour de son aspect refuge. Donc, la livre sterling ne m'intéresse plus pour des stratégies d'achat à court terme, et en tout cas pas aujourd'hui. Le yen ne m'intéresse plus pour des stratégies de vente à court terme non plus. Donc, j'ai exclu, vous le comprenez, une stratégie d'achat du GBP yen au niveau actuel des cours. En ce qui concerne le yen japonais, en tant qu'indice devise, sur des horizons de temps longs, la tendance reste baissière. Cependant, je pense que nous pouvons avoir, peut-être encore la semaine prochaine, une poursuite de l'appréciation de cette paire de devises, en tout cas ici selon le yen index, sachant que nous avons donc mardi prochain une décision de politique monétaire de la Banque centrale du Japon. Alors à voir, je vais charger ici un certain nombre d'indicateurs sur cette paire de devises. Voilà, je pense que là encore on a clairement du potentiel et elle se reprend notamment face aux devises européennes. Ce yen japonais, hein, c'est ce qu'on a pu voir à travers les mouvements de l'euro-yen ou encore du GBP-yen. Donc voilà pourquoi, pour toutes ces raisons, je me méfie des achats actuels sur les paires en yen. La livre sterling, alors la livre sterling, mince, mon graphique vient d'être décalé, mais c'est pas grave, je vous le remontre. La livre sterling, première fois qu'on a envisagé la vente, c'était fin juin, lorsque le sterling index testait sa résistance majeure. Nous avons eu un été assez chaotique, une livre sterling malmenée entre hausse du dollar, incertitude relative au référendum sur l'Écosse, puis levée des incertitudes, pour voir finalement un pound d'index revenir chercher ses sommets annuels, et finalement échouer. Je ne suis plus à l'aise à court terme avec la configuration de la livre sterling qui m'a déchu. Il y a un risque que ce marché continue de baisser lors des prochaines séances. Donc je vais vous montrer, je vais aussi appliquer ici cet indicateur. Voilà, hop, l'indicateur Ichimoku. Et donc voilà, là, à court terme, c'est devenu... J'ai utilisé le terme neutre parce que ça l'est maintenant. Impossible de prendre une position au niveau actuel des cours sur le sterling. Voilà donc pour ces paires de devises dont vous vouliez avoir mon point de vue, sur lesquelles, pardon, vous vouliez avoir mon point de vue. Retournons sur l'euro-dollar en données 4 heures, ainsi que sur l'USD index. Et donc, l'USD index reste fort, rejoint la partie haute de son canal, et l'euro-dollar, c'est juste impressionnant, il reste dans sa phase de baisse, et donc se dirige probablement vers, si je compresse l'historique de cours, voilà, cette zone-là, donc qui est comprise entre 1,2450 et 1,25. C'est vraiment, à l'époque, ici, nous étions en août 2012, où l'euro-dollar avait fait une forte impulsion. Alors, maintenant, je serais curieux de mettre le volume d'échange réel en temps réel. C'est parti, je vous rappelle que vous pouvez tous faire ça, donc c'est ce que nous allons regarder. Observons l'histogramme du volume d'échange réel de la paire euro-dollar pour regarder quel est le comportement actuellement des traders chez FXM à travers le monde. Donc le voici, ce que vous avez sous les yeux, c'est ce qu'on voit en temps réel, tout de suite et maintenant, l'ensemble des clients qui négocient chez FXM, exprimé donc en argent, hein, en quantité de dollars. Alors vous constatez que ce grand corps rouge sur la paire euro-dollar s'accompagne d'une forte hausse du volume sur la paire euro-dollar. Et d'ailleurs, à chaque fois que nous avons fait un grand corps rouge, cela s'est accompagné d'une explosion du volume d'échanges réels sur la paire euro-dollar. Nous avons donc beaucoup de capitaux qui s'investissent à nouveau ici sur cette baisse de l'euro-dollar. Donc, clairement, la tendance de fond a encore largement le dessus. Les cours sont en contact ici de la partie basse du canal de baisse. Nous avons pu observer que par le passé, l'intervalle où s'étaient manifestés des acheteurs est davantage compris entre 1,2450 et 1,25, mais là, pile poil, bas de canal. Voilà, bas de canal. Alors après, vous allez me dire, dans une tendance baissière, on peut sortir par le bas d'un canal de baisse. C'est ce qu'avait fait l'euro-dollar, notamment ici, le 24 septembre. Nous avions cet oblique ici, il l'avait cassé en donnant un signal. Donc, voilà. Le dollar index, alors c'est juste complètement impressionnant, c'est une énorme verte.
Et donc finalement, la semaine confirme quoi? Que les 11 000 points sont désormais support, majeur peut-être, en tout cas fort support, pour la tendance haussière du dollar US. Le CAC 40 ne fait pas grand-chose. J'aurais même tendance à dire qu'il nous fait un espèce de petit flag. En fait, le CAC 40, je ne me pose pas trop de questions. Regardez, hier, on a un grand corps rouge. Et là, on fait trois petites bleues. Ça ressemble à un drapeau, un petit drapeau aussi, en données 4 heures. Cela n'annonce rien de bon. Je pense que ce marché de l'euro-dollar est toujours assez. Du CAC 40, pardon. Est toujours assez sous pression. Et honnêtement, vu la force du mouvement baissier d'hier, puisqu'on a quand même fait une journée de baisse avec 5 milliards d'euros, alors vous voyez qu'à 4 288 points, on teste 50% de la hauteur du grand corps rouge d'hier. Bon, voilà, pour moi ça reste baissier sans trop d'hésitation. On va regarder maintenant les indices US, alors que l'euro-dollar continue de plonger. Et puis peut-être d'autres paires majeures. Donc le CAC, nous l'avons évoqué. Alors le CAC, Daniel 167, 4280. Alors GBPNZD, c'est évoqué. L'USDCHF, alors c'est parti, l'USDCHF. Moi quand même, le fait de revoir l'USDYen revenir chercher 110, j'ai du mal à anticiper une cassure des 110, quoi. Je suis pas convaincu. L'USD CHF est simplement à l'image de l'euro dollar. Il casse une nouvelle résistance. Il rejoint beaucoup plus vite que prévu nos objectifs de long terme. De toute façon, en daily, il n'y a pas vraiment de résistance avant 0,9750. Donc il file à 0,9750. Et donc j'imagine que l'euro dollar doit filer à 1,2450, 1,25. Et c'est donc le cas. Alors, le CAC 40 redémarre. Question donc sur le CAC 40. Ensuite, on passera en revue les indices européens. Alors, le CAC 40 redémarre. Alors là, je regarde mes chandeliers journaliers. Ça bouge un peu, mais honnêtement, je pense que sur tous les horizons de temps, on est quand même dans une configuration ultra bearish. On a décrit le mouvement tout à l'heure. Hein, sur le plan technique, rien à dire. Les volumes parlent d'eux-mêmes. Les chandeliers 4 heures aussi. Et enfin, le RSI journalier, c'est hyper bearish, hein. On a fait d'abord ici une petite div, ensuite un flat en triangle, on en sort par le bas. Je n'envisage aucun achat et j'ai même plutôt tendance à croire que ce marché reste sous pression. Je vous rappelle que le DAX est clôturé, enfin n'a pas ouvert en fait. Alors maintenant, les indices US, c'est une autre paire de manches. Les indices US, encore une fois, c'est un marché sur lequel les ratios de Fibonacci s'appliquent très bien. Et hier, c'est tout simplement sur tous les indices, le ratio de 61,8% qui a permis d'attraper un point bas. C'est un monde à part, c'est un autre marché. Alors, on vous a proposé, en tout cas, j'avais proposé sous 17 150 une vente. Le marché a quand même perdu pas loin de 500 points. Donc, bah, c'est toujours plutôt en place. Après, je ne sais pas comment vous gérez la position. Mais le Dow Jones va bientôt revenir tester un niveau important ici à 16 980 points. Mais c'est un marché qui vraiment fait sa propre vie. Donc peut-on dire objectif atteint sur 16 682 points? En tout cas, c'était un bel objectif de cours. Le SP500, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il a bien tenu sur ses 61,8. Pour autant, j'ai pas envie de chercher des achats. Il y a des résistances, moyenne mobile à 20 jours qui est descendante, ce qui peut venir appuyer sur les cours. Bon. Je pense qu'on vous a proposé des ventes avec un bon timing. Si ce marché vous semble trop bullish pour les tenir, encaissez et positionnez-vous davantage sur un marché comme celui que nous avons en Europe. Alors justement, hier je vous ai parlé d'un indice, le Russell 2000. Donc la tendance des petites et moyennes valeurs, donc des 2000 capitalisations boursières US, je vais vous le montrer. Et voilà le niveau qui a tenu hier. Vous l'avez ici donc en chandelier journalier. Et donc on avait cette séance du 25 février 2014, cette séance du 5 du 15 mai 2014. Et voilà, on a à nouveau tenu ce niveau.
Sauf que bon, voilà, à l'époque, la clôture s'était faite ici. Voilà la clôture. Donc, est-ce que nous avons cassé le support sur le ressol et fait-il simplement un pullback? Ou avons-nous à nouveau tenu le niveau de support majeur? Autant vous dire que la réponse est difficile, cependant, mon biais reste négatif pour tout un tas d'éléments autres que cette simple analyse technique du Russell 2000. Et cependant, je dois admettre que c'est un marché extrêmement fort. L'once d'or continue donc de glisser. Voilà, donc il n'y a pas de structure d'essoufflement et je pense que nous avons plutôt un canal de baisse. Depuis la cassure des 1240 $, nous avons un petit canal baissier et le bas du canal, il passe à 1190. Donc voilà, on retourne chercher tout simplement ici les plus bas annuels, comme anticipé finalement hein, par notamment Adrian. Donc voilà le niveau et ce sont donc des supports. En plus, alors, nous avions ici sur l'indicateur RSI une trendline que le marché semble déjà vouloir casser. Donc ça reste extrêmement faible, extrêmement faible. Alors, je reviens sur l'euro-dollar en données 4 heures, le CAC et l'USD index pour terminer de répondre à ce qu'on peut faire en intraday. Donc vraiment l'horizon de temps extrêmement court. Oui, c'est vrai, Olivier, je suis d'accord avec ce que vous dites. Alors, attendez, hop. Alors, l'euro CHF, nous allons en parler. Tout à fait. JBP CHF, nous allons en parler. Et ok. Alors, pile poil, euro dollar. Alors, vendeur de, dans le sens de la tendance, vous êtes excellemment bien placé. Voilà donc l'euro dollar ce que nous avons. D'ailleurs, si vous faites vraiment de l'intraday, absolument, vous devez d'ajouter le volume d'échange réel. Hein, ici, sur l'euro dollar, quoi. Voilà donc le CAC, ça reste quand même hyper baissier cette structure. Ah bah d'ailleurs, voilà, donc il a fait 50% de la hauteur du chandelier. Bon, ça s'apparente plutôt à. On retrace en fait ce grand corps, mais voilà. Moi je pense toujours que la baisse va se poursuivre. C'est compliqué de vouloir chercher des achats sur ce marché du CAC 40 qui reste quand même énormément, je trouve là, énormément sous pression. L'USD index haut de canal haussier, extrêmement puissant. Le GBP, je n'y suis plus, c'est terminé depuis l'échec de ma stratégie des 1,62,80. Le GBP fait tout simplement de nouveau plus bas. Voilà, nouveau plus bas. Le GBP passe sous ses plus bas. Les plus bas qui ont été créés, alors c'était ici en fait, début septembre. Lorsqu'on avait eu ce référendum sur un oui pour l'indépendance de l'Écosse, nouveau plus bas du GBP USD qui casse les 1,60-60. Et donc là, le prochain support, c'est bah déjà 1,60, mais après c'est 1,59-13. Bon. Commencer ce point de marché en rappelant les deux cadres de fond, la force du dollar US et le retour de la volatilité. Eh bien, encore une fois, la force du dollar US et le retour de la volatilité cadrent l'ensemble des marchés. Le retour de la volatilité, vous pouvez le voir à travers la dynamique baissière des marchés actions européens et la force du dollar US à travers l'extrême faiblesse de l'ensemble des paires en dollars ainsi que des matières premières, notamment des métaux précieux avec l'once d'or qui file en direction de ses plus bas annuels. Et nouveau plus haut pour l'USD CAD, donc cassure de résistance sur l'USD CAD. Donc l'USD CAD. Alors attention, j'ai presque envie de dire bientôt objectif atteint sur l'USD CAD par rapport à toutes les stratégies d'achat qu'on vous a recommandées depuis les 1,06. Nous avons ici pas loin d'être un objectif de cours majeur. Cette résistance à 1,1282 que je fais figurer ici donc sur ce graphique en données 4 heures. Donc voilà, bientôt un objectif atteint sur cette paire de devises.
Le GBP casse un support. L'USD-Yen ne va pas. Alors, l'USD-Yen est handicapé probablement par ce que je perçois de haussier sur le Yen depuis lundi. Donc, honnêtement, moi, si on reteste 110, je pense qu'on peut remettre un petit ticket. Et le CAC, bon, alors est-ce qu'on fait un petit flag en données 4 heures pour accélérer en bas? De toute façon, regardez, malgré la tenue des marchés actions US, il est incapable de. Enfin, on a tellement maintenant cette espèce de grand chandelier d'hier. Bon. Si jamais il représente, s'il se représente ici, à 4340, ce sera un bon timing pour shorter, mais j'en doute de sa capacité à vouloir y aller. Ok, alors étude du SP500, c'est parti. Je vais le chercher immédiatement. L'euro dollar tient le bas de son canal. US 30, s'agit-il d'un drapeau? En fait, non, je pense pas que c'est. En fait, un drapeau, on a un mât haussier. Ici, on pouvait dire que c'était un drapeau. Vous voyez, ici, là. Mais on n'a pas fait l'objectif. On a fait finalement une étoile du soir. Et ensuite, une pattern épaule, tête, épaule. Donc, je ne pense pas. Donc, le câble, bah, j'ai complètement échoué hein, sur un 62,80. Et je passe à autre chose. Hein. Le NZD USD. Alors notre ami le NZD-USD, bah lui aussi, hein, de toute façon, il est mal depuis qu'il a cassé 0,8050. C'est un peu comme la UD-USD, c'est-à-dire qu'il arrive à créer un flat au-dessus des 0,7720. Sauf que, est-ce qu'il serait pas en train de nous faire un simple drapeau? C'est ça qu'il faut surveiller sur le NZD-USD en données journalières. Cette petite figure qui est en train de se construire, et si c'est un drapeau baissier, autant vous dire que ça peut faire très mal à terme. Pour l'instant, on est en plein, on est vraiment dans cette pattern. L'euro CHF. Il n'y a rien à dire sur l'euro CHF en fait. Le SP500. Alors, le SP500. Voilà, le SP500, je m'en faut pas s'emballer. J'accorderai pas encore trop d'importance à cette séance d'hier des US, car finalement, voilà, on a quand même cette ancienne oblique qui a été cassée, on a la MM 20 jours qui va tomber dessus. Après, c'est certain que c'est pas le meilleur marché sur lequel adopter les stratégies de vente. Dans ces cas-là, détournez-vous du marché action US si vous souhaitez chercher des candidats à la vente. Et donc, en fait, ce que fait l'Eurodoll peut rappeler ce qu'il avait fait ici le 4 septembre, bas de canal, et après il s'était stabilisé. Donc, voilà, le chiffre est passé. Bon, après, il faut voir, hein, la séance va commencer aux US. Mais voilà. Qu'en effet, hein, c'est sur un point pivot weekly sur l'Eurodollar. À quand les volumes directionnels? Alors, ça arrive. Nous les avons, je les ai déjà. Je peux vous les montrer en temps réel ici sur la paire euro-dollar, puisque j'utilise une version bêta de la plateforme. Sachez que bientôt, vous allez avoir trois nouveaux indicateurs de volume. Je vous les présenterai d'ailleurs lors d'un webinaire au mois de septembre. Voilà, ici, en temps réel, vous avez donc le volume directionnel, donc la façon dont le volume de change réel se répartit sur les achats et les ventes. Cela ressemble à donc cet histogramme-là. Voilà, je vous le montre ici en avant-première. Je vous le présente officiellement mi-novembre et ensuite bientôt vous l'aurez. Alors, ok. Donc, en effet, l'euro dollar à 25,28 c'est un point pivot weekly et c'est un bas de canal. Alors, que pourrait faire le DAX à l'ouverture? Lundi matin.
Eh bien, j'ai envie de dire, pour en avoir la réponse, je pense que vous déjà regardez la clôture à Wall Street ce soir, et puis peut-être que nous avons une statistique chinoise dès samedi matin qui pourrait influencer. Alors, le Nikkei, vous voulez le Nikkei, là vous nous proposez ce graphique ici sur le dollar index. Alors, un Nikkei. Philippe, l'Eurodoll. Le Nikkei, l'Eurodoll, le Nikkei, l'Eurodoll et le Nikkei. Ok, donc le Nikkei, j'imagine que vous me posez beaucoup de questions parce qu'on vous a proposé une stratégie de vente qui est encore largement gagnante, sous la résistance à 16 300 points. C'est un peu comme USD/Yen, hein, mais sauf que là, c'est encore mieux, je trouve, à l'époque. 16 300, le marché a perdu 800 points. Donc c'est énorme. 800 points sur le Nikkei et il est revenu chercher donc ce niveau de support ici à 15 530 points. Nous avons ici une ancienne oblique qui pourrait déjà faire résistance. On a ici ce premier choc. On le retrace. Attention à court terme en effet. En fait, on avait un pré-signal ici sur l'indicateur. Le timing était bon pour vendre. On avait ce pré-signal sur l'indicateur. L'indicateur rejoint un support. Il n'y a plus de timing pour vendre. Vous avez vendu sous la résistance. Prenez des bénéfices. Si vous le souhaitez. Sinon, en termes de stop, je pense que désormais, il faut l'abaisser. Voilà, le positionner juste au-dessus des 16 050, qui est donc ce point de décrochage ici. Si vous avez pu vendre cette résistance que nous vous avons proposée. Alors, ici, donc vous avez l'USDK en données journalières, et d'ailleurs, hier, il y a eu, dis donc, un volume gigantesque sur cette USDK, justement. Nous avons eu un volume sur l'USDK plus vu depuis 3 ans hier. Donc j'imagine que beaucoup d'acheteurs se sont positionnés lorsque le marché est revenu chercher support à indice. Et donc voilà. En plus, ce qui est intéressant, c'est de constater que dans toute cette phase de hausse, nous avons eu une augmentation du volume d'échange. Donc ça c'est de nature à entretenir, en fait, à appuyer la pérennité de cette phase de hausse. Allez, on retourne en intraday. Alors, n'aurait-on pas des divergences haussières sur l'Eurodoll? Je pense qu'il ne faut plus. Il faut arrêter, je pense, avec les indicateurs techniques sur l'Eurodoll. Et se concentrer sur les niveaux de prix horizontaux, notamment. Donc voilà, en données 4 heures, on a un début de réaction intéressante dans le bas de canal. Mais attention, nous avons désormais une nouvelle résistance à 25,70. Puisque ça y est, nous avons la clôture 4 heures, il est 15 heures. Donc, à 15 heures, avec ce nouveau chandelier 4 heures, je suis à même de vous dire deux choses, qu'on tient le canal et qu'on forme une nouvelle résistance à 25,70. On peut aller chercher ça à 25,70, un niveau sur lequel des vendeurs pourront déjà se présenter. Par contre, depuis le bas de canal, ça faisait 50 pips de rebond. Et là, je pense qu'on peut aller les chercher tout de même, hein, qu'on tient le bas de ce canal. Le CAC peut-il... Alors, on verra. Le CAC peut tout faire. Le CAC peut tout faire. Alors, vous avez raison et êtes nombreux à rappeler que nous avons encore un chiffre tout à l'heure qui est attendu à 16 h et qui est important. L'indice ISM du secteur des services aux États-Unis. Je pense que cet indice aura un impact sur le marché action à partir de 16 h, en effet. Et donc, visiteur me poste un message de Zero Edge expliquant que 13 millions de personnes ont quitté la population active depuis 2007 aux États-Unis. C'est ce que vous constatez à travers la baisse du taux d'activité. Ok, bah écoutez, il est 15 h 06, donc
et pas encore temps de fermer les plateformes de trading, sans pour autant chercher à négocier. Il y a un chiffre important tout à l'heure à 16h. Je pense qu'on a plus ou moins bien cadré les mouvements. Sur le plan d'analyse technique, il n'y a rien vraiment de nouveau qui est apparu. Plutôt des confirmations sur les figures chartistes, notamment le canal, tous les canaux dont nous avons parlé sur le RODOL, l'USD Index. Sur le CAC 40, vous pouvez surveiller cette esquisse de drapeau baissier en données 4 heures, qui pour l'instant se contente de retracer 50% du grand chandelier baissier d'hier. Donc, je crains toujours beaucoup de baisses pour les marchés actions européens. Et voilà. Je vous remercie. Rendez-vous à 16h, non pas ici, mais sur la file Real Time News, où voilà, on partagera nos avis sur la réaction du marché suite à la publication de l'ISM. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon week-end et à vous dire donc de vive voix à lundi prochain. Merci à tous.